Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à Playroom, ce nouvel épisode de Robocraft. Alors juste avant de partir dans la battle, j'aimerais tout d'abord me renseigner sur... Est-ce que je vais retrouver... Mince, je me trompe de bouton. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, merci. Voilà, c'était A. Bon, bah pourquoi pas. J'aimerais voir si je peux placer. Alors, combien que ça pèse ça en flops? Flops, flops, flops. 30, je peux en placer un. Parfait. Voilà. Paraît-il que ça éloigne un peu le. Le fait de se faire pinguer en fait. Donc. Maintenant qu'on a fait ça, on va partir en Battle Arena, comme d'habitude. Et on va voir ce qu'on est capable de faire. Je comprends pas pourquoi il montre ce vaisseau, sachant qu'il n'est pas dans la boutique. Si ? Non, il n'y est pas. Ils font la pub d'un vaisseau qui n'existe pas dans leur boutique, c'est assez impressionnant. Non, enfin bon, c'est pas grave. Nous voilà partis, chers amis. Donc on a atteint le niveau max, un niveau 100 sur 100. On l'a atteint apparemment entre deux parties, ce que j'ai pas trop compris. Mais bon, écoutez, on va faire ça comme ça. Hein. T'énerve pas, Diablo. C'est long pour tout le monde. Bon, j'ai pas le temps de te l'écrire, je suis désolé. Désolé mon ami, on va devoir revoir ça la prochaine fois. Ils ont deux snipers. Apparemment des snipers tanks, d'après ce que je peux comprendre. Ah, il est toujours aussi classe ce vaisseau. Alors c'est un moyen aussi de d'élargir un petit peu l'espace entre mes ailes. Vous savez, les rendre de plus en plus longues pour faire des grandes ailes. Oui, ça aurait été plus aigle. Non, pourquoi? Simplement parce que ce sera plus facile à toucher encore. Chose que je ne veux pas. Quand même assez balèze déjà, je trouve. Youhou! America! Fuck yeah! Boum! 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 Allez, vas-y. Oh, faut le finir jusqu'au bout. Hein. La gueule. Bon bah ça y est. Touché. Alors ma poule. Touché. Oh. Putain, j'entends qu'il y a des gens. Oh, on en a déjà deux en moins, mais non. Putain, mais c'est écœurant. What?
Aïe. Hop les. Voilà, ça c'est fait. Boum. Raté. Mais c'est qui me fait mal celui-là. Oui, faut peut-être se calmer par contre au niveau des SM. Mais regardez, regardez d'où est-ce qu'il me tire. Putain, mais avec un sniper t'arriverais pas à toucher aussi loin. Si c'est pas écœurant. What? Raté, t'es trop mauvais. Ah génial. Génial. Alors oui, les SMG c'est toujours de la merde. J'annonce. Hop. Raté. Your top fusion tower is under attack. Your top fusion tower is under attack. Génial. Alors je n'ai plus aucun contrôle sur le vaisseau. Pour une raison complètement inconnue, en prenant un tir, j'ai perdu mes deux côtés d'aile. C'est génial. Bizarre, bizarre, tout ce qu'il y a de plus bizarre, mais bon, c'est pas grave. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais non, on va pas surrender. Non mais oh. Voilà, ça c'est fait. Ah, bien joué. Oh putain, pas une SMG. Je vais finir par installer des SMG sous cet avion. Parce que oui, ce serait fonctionnel, hein. Je l'annonce. Ce serait clairement fonctionnel. Oh, dommage. Aïe, aïe. Hop. Merci. Cependant, oui, on n'est pas en bonne posture. Ok, on va essayer de se rentrer. J'aimerais bien pouvoir m'écarter un peu plus de mon vaisseau parce que j'y vois vraiment rien. Mais alors, enfin, il est quand même très gros et j'y vois pas grand chose. Hop. Ah
Oh, on l'a vu passer à côté. What? Merci. Allez, on y retourne. Aïe, je l'ai vu la SMG de loin. Hop, c'est très très dur. On en chie, hein. Oh putain, je suis encore spotted. Raté. Aïe. Et voilà, et de 3. Ah non, 4, 3, 3, 3. 3. Non, 2. Oh, je sais pas, 2 apparemment, je croyais qu'on avait 2 dès le début en fait, non. Par contre, ils sont déjà sur notre... Oh, puis le heal qui se ramène. Tiens, bouffe. Zéro. Hop. Quelqu'un peut avoir le sniper. Aïe aïe aïe. Là ça pue. Raté. Oh, les snipers qui me font la peau. Fusion tower is under attack. Your middle fusion tower is under attack. SMG cruiser spotted. Plasma bomber spotted. The bottom fusion tower has been captured. Oi, oh la vache. Il a raison, hein, de faire un vaisseau très très plat. Ici, il est son machin. Allons-y. C'est trop facile. C'est trop facile, il y a moins de monde, du coup c'est trop facile pour eux d'aller attaquer le truc. On devrait faire plus de dégâts aussi. Voilà, bien joué. On a tout perdu comme ça, c'est cool.
plasma bomber spotted. Allez. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Juste pour voir, ils ont un heal et pas nous, c'est ça? En plus. Putain. Allez. Ah ici on a un heal, cool, merci l'ami. Par contre t'as le temps. Je viens de profiter des deux heals par contre. C'est vraiment chiant, c'est vraiment chiant. Ouf. Your plutonium reactor is under attack. SMG cruiser. Boom. Your plutonium reactor is under attack. Alors j'ai perdu ma queue. Tiens, bouffe. Alors c'est écœurant quand même de perdre à cause de lâcheur. Parce que c'est littéralement ça, on a deux pertes en moins. C'est incroyable. Bon, de toute façon on n'aura pas le temps de repop. Hein. C'est vraiment dommage. Vraiment, 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 vraiment dommage. Parce que c'est un peu comme... bah ça, c'est un peu le même syndrome que GTA là. Là comment là... Il y a même pas de stade de ratio n'importe quoi. Mais les gens visent le ratio. Non franchement c'est écœurant. C'est vraiment écœurant. Your plutonium reactor is under attack. C'est vraiment écœurant. Ah, j'aurais pu réapparaître. Non, même pas. Allez, pour la blague, je réapparais. Voilà. Et on me voit réapparaître en même temps. Juste ici. Bon, bah écoutez, c'est temps. Oh, mais regardez ça. 20 000, j'ai jamais vu. Oh, la gueule. C'est moi qui ai tout fait, en fait. Et un sniper, il est mort 11 fois pour un frag. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais juste aller voir un truc. Le prix, juste pour voir le prix d'un... d'un cube T10. Enfin TX, pardon. Ah d'accord, un cube TX vaut moins cher. Donc ELS 1556. Et là c'est... Oh. Un cube TX vaut moins cher qu'un cube armored cube qu'un cube carbone. CPU load 1, CPU load 3 par contre. Je pourrais pas en faire autant. Bon bah au moins ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair. Juste pour voir. Là ça coûte 832 000. La roue. Ça, ce serait intéressant de voir aussi. Il n'y a pas autre chose encore de TX normalement. Allons voir vite fait quand même. TX, voilà là. TX, voilà là. Les SMG, je les ai.
Et du coup, j'ai le bombardement, le bombardier TX aussi. Tiens, ça vaudrait le coup d'aller voir le prix du bombardeur TX. Oups. 900 000. Je pourrais peut-être en mettre un sous mon avion. Donc, juste pour voir, dégâts qu'il fait. Jusqu'à 17 000, et celui-là. 13 000 x 2, 26 000. CPU load. CPU load 32, ici, 300. Donc, c'est pas valable pour moi sur mon vaisseau. Là, c'est 300 aussi. 250. Ce qui fait que ce n'est pas encore valable non plus. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, bah écoutez les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, on pouvait retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.